qui est le président du Venezuela. Si la question paraît simple de prime abord, elle s'avère bigrement compliquée au vu de la situation politique explosive qui règne actuellement dans ce pays d'Amérique du Sud. Le 23 janvier, Juan Guaido, le président du Parlement, s'est autoproclamé « du pays », promettant un « gouvernement de transition » et « des élections libres ». Une annonce choc faite au nez et à la barbe de Nicolas Maduro, président contesté qui venait de prêter serment le 10 janvier pour un second mandat. La communauté internationale se déchire entre les partisans de Juan Guaido, Europe, Canada et États-Unis, et ceux de Nicolas Maduro, Russie, Chine et Turquie. Une, à laquelle certains ont décidé de ne pas prendre part, explique le média espagnol El Plural dans un article relayé par Ainsi, Apple a intimé à son assistant vocal Siri l'ordre de ne surtout pas prendre parti. C'est pourquoi lorsque l'heureux possesseur d'un iPhone demande à l'assistant, qui est le président du Venezuela, il est illico renvoyé vers les pages Wikipédia de Juan Guaido et Nicolas Maduro. La pudeur de gazelle de Wikipédia, même dilemme pour l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Dans sa version espagnole, la plateforme assigne ainsi deux présidents au Venezuela, non sans préciser qu'ils ne sont que partiellement reconnus. En France, Wikipédia est légèrement moins peureux, laissant le seul poste de président à Nicolas Maduro. Mais l'encyclopédie 2.0 ajoute que son mandat est « contesté » par Juan Guaido.